got problems, y'all. This is the new first lady. Full surface with John Deere. January joy. You gotta love it. Salut à tous, quelle planète mécanique en effervescence cette saison 2019 avec une actualité très riche, très intense et bien sûr qui a sacré des champions hors pair. Retour en images et en interview sur quelques-uns de ces moments clés d'une saison que Zone Rouge a suivi pour vous. Zone Rouge numéro spécial, millésime 69. Commençons par une note d'originalité avec un moment de convivialité que nous a offert cette saison le Quad Cross Showdown à Saint-Martin. Je suis parti, tout est embarqué. Et dernière petite vérif, qu'on n'oublie rien. Mais logiquement, on est bon et on part dans 5 minutes. Ben en fait, c'est ça le but premier, en fait, c'est qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse sortir du cadre du stress et tout. Et que bon, le sport, c'est d'abord tout le truc pour se détendre et justement retrouver ses amis, passer du bon temps. Passer du bon temps, devise confirmée pour bien consommer le Quad Cross Showdown. Top départ en file indienne pour rejoindre le fameux circuit situé à Bellevue à 10 minutes du QG. Pas trop de circulation ce jour férié, 14 juillet oblige. Into the bed, girl. How you done know? Plotting out the fantasy. Surprise quand arrivé à destination, perdu dans une nature sauvage bordée par la mer, une magnifique infrastructure s'étale à perte de vue. Imaginez un terrain deux fois plus grand que le circuit de Merland au Lamantin. Ici, Hubert Boucaud est également chez lui. Déjà, la superficie du terrain, c'est-à-dire qu'il est vachement énorme et on a beaucoup de relief, on a du plat. Et bon, le cadre aussi avec l'aéroport derrière, on voit les avions décoller, on a les temps, enfin c'est chaque site a sa spécificité, ben nous c'est ça en fait. Terrain spécifique, très technique, rapide, des paramètres que les pilotes adorent, une fois qu'ils ont enfilé casque et combinaison, difficile de les retenir. Après la détente, place à la démonstration, regardez, admirez le résultat. Abandonnons un moment le quad et faisons place à une discipline qui a marqué la saison 2019, le super motard. Un sport spectaculaire rendu d'autant plus difficile à pratiquer quand la canicule s'en mêle. Zone Rouge avait mené son enquête en demandant aux pilotes la recette pour performer malgré tout. Fabien, toujours à grande forme visiblement. Oui, ça va, on gère aujourd'hui. Bon, malgré la météo chauffe un petit peu, mais on gère voilà, tranquillement quoi, aujourd'hui. Justement, il fait très très chaud aujourd'hui. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Est-ce que c'est un paramètre dont il faut tenir compte au super motard? Ah oui, ça change beaucoup de choses. La température, c'est pas évident sous la combinaison. Il faut gérer, faut bien souffler, faut bien boire, pardon. Et voilà, c'est pas évident. Franchement, la chaleur, elle tape. Il fait très très chaud aujourd'hui. Est-ce que finalement, il faut en tenir compte quand on fait du super motard? Ah ben oui, parce qu'avec la chaleur, ça nous exténue et puis il faut aller chercher le souffle. Ben bon, sinon ça va. Après, c'est bon pour les pneumatiques parce que ça tient mieux. Mais sinon, ben oui, la chaleur, elle est weed. Alors, il faut boire beaucoup d'eau, chercher la bonne respiration. Ben sinon, ça va. Dans l'ensemble, c'est mieux comme ça que la pluie. Ah oui, il faut absolument en tenir compte parce que ben, ça fait qu'on ne respire pas bien, on n'est pas bien oxygéné et donc on se fatigue très vite. Et même au point de vue de la machine, ben, elle n'est pas aussi performante.
Et l'un avec l'autre, ça fait que bon, on peut pas faire du beau spectacle en fait. William, les conditions sont particulièrement difficiles aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on opte pour une stratégie complètement différente en termes de compétition pure? Non, on essaye quand même de rouler au maximum de ce qu'on peut. Effectivement, on roule un peu moins vite parce que physiquement, on tient moins longtemps. Mais il fait chaud, on est habitué à ça plus ou moins, donc on fait avec quoi. Si l'homme s'habitue aux conditions climatiques, il y a le paramètre mécanique et tout son environnement qu'il faut prendre en considération. Le moteur par exemple, soumis à la dure loi des accélérations, peut lâcher à tout moment. Le pilote doit veiller au grain. A l'inverse, quand il pleut, comment garder la manette des gaz à fond? Les pilotes du Run Moto, eux, ont la solution. Vous le verrez, même les plus avertis optent pour une stratégie de course raisonnée. Qu'importe ce paramètre, les pilotes n'ont pas le choix, mais la stratégie de course est forcément revue et adaptée aux conditions. Parce qu'on n'a aucune adhérence, même en temps sec, c'est très difficile. Donc il suffit d'une goutte pour partir en dérapage. Donc voilà, c'est très très difficile pour nous. Même les scooters peuvent être plus à l'aise que nous. On a trop de puissance pour pouvoir exploiter sous le sol mouillé. Ça glisse et puis les pneus, on n'a pas les pneus adaptés pour. C'est pas évident. Ça rend les choses difficiles. Ça rend les choses difficiles. Il faut faire très attention, savoir gérer. L'accélération. Sur quoi on se concentre essentiellement quand on a des conditions comme ça? On se concentre sur son embrayage parce que c'est la pièce maîtresse du démarrage. Donc là, il va falloir faire une liaison entre le cerveau, la main gauche, la main droite et aussi le sol, savoir à quel moment on peut donner, à quel moment on va perdre de l'adhérence. Bon, c'est pas forcément très évident. Les machines sont très performantes. Elles ont quand même pas mal de puissance. On est obligé de déconnecter toutes les aides qu'on a normalement sur la route pour pouvoir avoir un gain de puissance, pour ne pas être coupé. Donc c'est assez délicat. Ça augmente le stress quand même? Oui, quand même. Forcément, parce que là, le pilote, il est encore plus concentré, parce qu'à n'importe quel moment, ça peut décrocher. Les machines, elles avancent quand même beaucoup. Et puis, on a le facteur chute aussi qui peut arriver à n'importe quel moment. Donc là, ça augmente, ouais, effectivement, ça augmente la chose, ouais. Même constat chez les experts de la vitesse et du chronomètre. Lionel Pochal, en favori de la discipline, reste prudent et joue d'intelligence. Pas question de friser avec l'irraisonnable en pareilles conditions climatiques délicates. Pour le moment, je n'ai pas encore fait d'essai. Je préfère attendre un peu, voir aussi la pluie se calme. Vous savez, quand on a des conditions météorologiques comme ça, la route mouillée, c'est très compliqué de faire la course de vitesse. Pas d'adhérence, donc je préfère attendre encore. Ça patine, ça glisse de partout, c'est risqué, c'est dangereux. C'est mieux quand c'est sec, quoi. Il faut rester raisonnable, il faut savoir rester raisonnable. Ça sert à rien de prendre des risques qu'on peut payer très cher, quoi, après. Donc il faut rester raisonnable. Lunès, vous êtes, on peut dire, l'homme à battre, hein, si vous êtes le plus rapide. Comment vous vivez ça à chaque fois que vous venez vous inscrire sur la ligne de départ? C'est un challenge pour moi-même. Parce que j'ai toujours envie de faire, de mieux faire et encore. C'est déjà un challenge pour moi-même. Quel que soit le temps, Laza Archipel, l'organisatrice du Run Auto, n'a eu qu'une seule devise cette année, ne rien laisser au hasard pour surtout réussir sa 60e édition. Robert Corvaux, voici l'homme par qui le succès des épreuves d'accélération est arrivé. À la tête de Laza Archipel, association exclusivement opérationnelle pour l'exercice du départ arrêté auto, Robert Corvaux, épaulé par une équipe fidèle et efficace, aujourd'hui est fier d'une 60e édition qui prouve tout un travail de longue haleine et donc certainement plus que jamais le sentiment d'un devoir accompli. Le sentiment de devoir accompli se fait, oui, déjà parce que la longévité est là. Il y a beaucoup de pilotes qui sont là, donc on répond à une demande. Les épreuves d'accélération fonctionnent, donc éradiquer les tirages sauvages. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont compris le combat qu'on mène depuis 19 ans. 19 ans de combat pour inciter les fous du volant à jouer de l'accélérateur sur circuit aménagé et donc prévu à cet effet. Pas question donc pour Laza Archipel de lâcher l'affaire. D'autant plus que pour Robert Corvaux, l'organisation de ces manifestations
passe par un cahier des charges très précis, toujours optimisé, surtout pour une 60e édition où Robert Corvaux, directeur de course sur surveillance fédérale, ne voulait qu'aucun grain de sable ne vienne enrayer la machine pour un anniversaire symbolique. On essaie toujours de faire mieux. On voudrait encore aller plus loin parce qu'on a toujours une soif, d'amélioration et soif de perfection. Donc les choses progressent. La présence de Christian Perrault, le commissaire fédéral, il est essentiellement là pour vérifier que nous sommes toujours dans les clous. On est sport automobile avant tout, on est affilié à la Fédération française de sport automobile. Donc lui, il est là pour contrôler qu'on reste dans les textes. Rester dans les textes et donc inviter les pilotes à prendre part au calendrier de saison en toute quiétude. Voilà qui incite les acteurs du 400 mètres départ arrêté à venir nombreux, surtout pour une 60e édition que nul ne voulait manquer. 48 pilotes au départ et 6 doublements pour l'occasion. Même des revenants ont tenu à être de la fête. C'est aussi cela la magie des courses sous l'égide de Lazare Chipel. Cette édition, ça veut dire que finalement, Laurent, c'est une affaire qui marche en Guadeloupe. On peut dire que c'est une affaire qui marche. Bon, malheureusement, on n'a pas encore totalement ce qu'on veut. On aurait préféré avoir une piste. Bon, pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais on a espoir que ça change. Bon espoir que les choses changent. Ce n'est pas gagné quand les pilotes de motocross veulent déstabiliser une pointure de la discipline comme Johan Edouard. Ce qui n'empêche pas à chaque manche du championnat de motocross d'admirer un spectacle de haute voltige. Le GMC a plutôt réussi cette mission en 2019. Pour rien au monde, les pilotes de Merlande veulent aujourd'hui manquer une manche du championnat de la Guadeloupe de motocross. Sauf bien sûr à cause d'ennuis mécaniques ou pépins physiques. Et donc, pour le troisième rendez-vous de saison, ils ont tous répondu à l'appel du Guadeloupe Moto Club, ainsi accepté de se frotter à des conditions de course plutôt délicates, température extrême, avec en toile de fond un circuit sur tapis de poussière. Ces chevaliers mécaniques, c'est officiel, sont connus pour être des pilotes que rien n'arrête, même si dans la catégorie élite, certains tentent de trouver la faille pour mettre fin au règne du pilote intouchable jusqu'à ce jour, Johan Edouard. Le scénario ne change guère, ce malgré la présence de Stéphane Salibur, Robin Lepout, Cyril Abadi ou encore Enzo Mussard. Les jeux sont d'ores et déjà faits et refaits. Le pilote Honda énerve de par sa suprématie indiscutable.
Ne dit-on pas régulièrement qu'il ne faut pas se fier aux apparences ou que l'habit ne fait pas le moine? Gianni Cator, seulement âgé de 11 ans, n'enfile jamais sa combinaison de super motard pour se contenter de rouler simplement des mécaniques. Ce petit bonhomme a la rage de vaincre une fois qu'il endosse à 85 cm3. Les résultats sont là pour officialiser son bon coup de volant, car ce jeune pilote de la Martinique s'est déjà mis en tête qu'il n'y a qu'une seule formule à appliquer. Beaucoup d'entraînement. Depuis l'âge de 3 ans, et comme on dit, le travail paye. Le travail paye, mais il a bien fallu commencer un jour. Gianni Cator vous raconte des souvenirs vieux de 9 ans, mais c'est raconté avec une lucidité infaillible, comme si c'était alors, hier. Alors ça a commencé quand j'avais 2 ans, j'allais déjà à l'école à moto avec mon père, et il m'a dit que si je retirais les roulettes sur mon vélo, il allait m'acheter une moto, et donc... Je lui ai demandé de retirer les roulettes et tout de suite j'ai commencé à faire du vélo et il m'a acheté une moto et après je me suis entraînée. Après j'aimais bien les entraînements parce qu'il y avait des amis, des camarades et tout ça. Et après on a commencé à camper, faire des choses comme ça. Quand j'ai eu 4 ans, mon père m'a acheté une autre moto et c'est là que j'ai commencé à avoir... l'esprit de compétition et je voulais que personne ne soit plus rapide que moi. Passage en quatre roues avec le karting, une discipline qui a retrouvé ses lettres de noblesse grâce au travail acharné du Guada Karting Club et de ses membres. Un championnat a en effet vu le jour avec la complicité de la ZAG, union donc sacrée de deux associations qui ont permis que sur l'asphalte, ces drôles d'engins aux performances plutôt incroyables puissent évoluer. Ce sont des machines capricieuses ou fiables en général ? Des fois capricieuse. C'est de la mécanique, donc tu peux préparer bien chez toi et tu arrives sur place, tu as un petit souci. Comme on dit, il a un petit souci de carburateur, mais bon, on s'attend à ça. On est prêt. Quels sont les organes les plus sensibles sur le kart? L'organe le plus sensible, le moteur, je dirais. Hein. C'est le moteur, donc il faut... Donc il faut, voilà, il faut le ménager pour tenir sur la manifestation. Objectif, la pole position pour mieux prendre la fuite sur la ligne droite et prendre si possible toujours en tête le premier virage. Autre quatre roues plutôt volumineuses, celle-là en proie à un championnat dominé par Loïc Desrussis en rallye et un infatigable Pierre Nègre en course de côte. Démonstration du Gauzérien dès l'ouverture de saison avec la course de côte de café hier. Démonstration de régularité de Loïc Desrussis en épreuve rallye. Titre de champion de la montagne pour l'un, le titre de champion de la Guadeloupe pour l'autre. Loïc Desrussis et Emmanuel Kodiamoutou ont en effet fait le job cette année. Petit clin d'œil à deux pilotes qui sont venus donner des couleurs au championnat à bord d'auto de la catégorie R5. Quentin Chaillé et Frédéric Pardo ont fait rêver un public.
Run auto, run moto, karting, motocross, supermoteur, scooter des mers, la planète des sports mécaniques a bien fait vibrer une fois de plus les fans avides de sensations fortes. Vivement la saison 2020 pour retrouver toute une actualité mécanique dans la zone rouge. Merci à toute l'équipe de Canal 10 qui m'a épaulé tout au long de cette saison 2 de Zone Rouge. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et bien sûr un joyeux Noël à tous. Zone Rouge revient plus musclé en janvier prochain. Nous, en attendant, on coupe les moteurs.